Et on s'est lancé, Fréquence Mag, qui n'est pas très bien partie, la favorite de l'épreuve, enfin, partie correctement, même si elle a marqué une petite hésitation. Elle revient néanmoins maintenant pratiquement aux avant-postes avec Saïda, le numéro 11, un petit peu brillante, hein, Saïda. Elle se bat un petit peu avec la main de son cavalier, alors que Natural se place tout de suite dans le groupe de tête avec Danse Vision également, le numéro 9. Danse Vision qui se rapproche et qui va peut-être prendre les commandes de l'épreuve. Devant les tribunes, bien placé Fréquence Mag avec Saïda, se rapproche à l'extérieur Machu Picchu Bay, le numéro 5, Naturel est en 5e position, avec à son extérieur Bint Chatleya. Au dernier rang, Hurricane Car, le numéro 4. Le peloton est bien groupé, direction le premier tournant dans quelques instants, sous la double conduite de Danse Vision, le numéro 9, qui est rejointe maintenant par Machu Picchu Bay. En 3e position, Saïda, côté corde Fréquence Mag, qui a un très bon parcours, Naturel, qui est un petit peu brillante, en 5-6e, accompagné par Bint Chatleya, qui galope à son extérieur. Apocalypse Indo, quant à elle, se retrouvant sur une troisième ligne côté corde. Début de la ligne en face, dans quelques instants, on laisse galoper plutôt librement en tête Danse Vision, le numéro 9, qui s'est octroyé deux ou trois longueurs d'avance devant Machu Picchu Bay. Fréquence Mag, la favorite, toujours en bonne place côté corde, avec Saïda, précédant le numéro 6, Apocalypse Indo, Naturel, Bint Chatleya, qui viennent ensuite, avec encore la débutante Willow Tree. Le numéro 10, peloton qui reste groupé en face. Nous avons toujours les deux mêmes en tête, Danse Vision, avec les œillères pour la première fois, accompagné par le numéro 5, Machu Picchu Bay, au contact d'elle, Fréquence Mag, qui a un bon parcours, la grise, côté corde, favorite de l'épreuve, Saïda, toujours un peu brillante, galope en 4e position, alors que Bint Chatleya se rapproche à l'extérieur, ramenant Willow Tree, le numéro 10, Naturel, venant ensuite au sein du peloton, en 7 ou 8e position, à hauteur d'Apocalypse Hindou, le numéro 6. Au bout de la ligne en face, dans la montée, avec toujours en commande de l'épreuve le numéro 9, Danse Vision, à son extérieur, Machu Picchu Bay, en 3e position, Fréquence Mag, Saïda, Bint Chatleya, qui est toujours à l'extérieur, Naturel, 5-6e, avec encore Apocalypse Indo. On vient d'accélérer sèchement maintenant, avec tentant de se sauver, numéro 9, Danse Vision, qui a fait un petit écart, Fréquence Mag, qui est là tout près, avec également numéro 5, Machu Picchu Bay, qui se rapproche. Elles sont suivies par Saïda, le numéro 11, avec ensuite Naturel, le numéro 1, qui est pour l'instant au sein du peloton. Côté corde, l'arme d'amour tente de bien terminer, rien n'est fait pour la victoire, avec Machu Picchu Bay, le numéro 5. Qui attaque Danse Vision, numéro 9 se rapproche, Fréquence Mag, le numéro 2 côté corde, avec également l'arme d'amour qui termine correctement, c'est la casaque orange à 150 mètres du poteau, Fréquence Mag, le numéro 2 qui prend l'avantage, toujours aux prises avec Danse Vision, le numéro 9 qui se défend bien, on finit fort à l'extérieur avec Bint Chatleya, le numéro 3, et Saïda Bint Chatleya peut-être aux abords du poteau, qui se serait imposé face au numéro 5, Machu Picchu Bay. On va revoir tout cela, ah non, ce n'est pas certain du tout, c'est le numéro 5 qui a dû s'imposer, il y aura bien sûr photographie, 5, 2 et 3, elles sont ensemble. Le 9 ne serait a priori que 4e peut-être, même si, oui, et le 11, Saïda 5e.